Salut tout le monde, c'est Ryota Noé. Salut à toutes et à tous, c'est Chili. Mamie de la capsule corp, c'est Diaro. La capsule corp, c'est bro. Coucou, Gogeta, on monte loin, c'est petit, sur foot. Give them grand hands, say what's up, America. I think you should know me, right? On the half a replica. Bonjour, bonsoir tout le monde, ici Yann Bandicoot et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Naruto Ultimate Ninja Blazing. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo invocation cette fois-ci, parce qu'il y a un nouveau portail qui est arrivé très intéressant apparemment de ce qu'on m'a dit. Alors je vais présenter un peu ce qu'il y a actuellement aussi. Il y a toujours un Red Impact là au moment où je tourne la vidéo. Ah bah non, il a plus l'air d'être là parce que normalement c'est censé entre 15 et 17 heures mais je le vois pas. Mais du coup il y a un nouveau perso assaut, la Suigetsu, qui vient d'arriver visiblement. À faire en C, en B, en A, comme d'habitude, avec des perles à récupérer. Donc il doit être de, soit de type jaune, soit de type violet, bon on va voir. Il est de type bravery, donc jaune. Ok, ça marche. Et du coup, ouais, on sait pas si... ouais, on n'a pas ses stats en 6 étoiles, bon, tant pis. Alors, bah du coup, s'il y a Tsunade qui est là, etc. En gros, il n'y a pas tant de choses que ça, comparé à ce qu'on a eu dernièrement. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, du coup, c'est le portail d'invocation qui est arrivé il y a pas longtemps. Ouais, désolé, je suis un peu enrhumé encore. Vengeance Demise. Ok, donc comment ça marche? C'est que. Il y a la première multi. Est-ce qu'il y aurait pas des Granicat Points par hasard? Non, il n'y a pas les Granicat Points, dommage. Parce que la dernière fois qu'on a vu ce système là, il y avait des Granicat Points avec. Du coup, c'est ça alors. On va voir déjà les persos. Non, c'est pas ça. Hop. Alors, on a un Sasuke rouge. Portée longue. Des stats de pas en... Ah, des, il a des bonnes stats déjà en 5 étoiles, j'imagine pas en 6. 3 fois attaque, ok. Ouais, bon, soit. Attends, c'est pas mal. Et la Karine. Ouais. Ignore spe... Ah, elle peut taper les mecs qui sont en perfect dodge. Ça, c'est pas mal, pour le coup. C'est pas mal. Et c'est quel type? Violet. Et du coup, alors, comment ça marche? Alors, il y a trois multi. Il y a trois multi, donc la première multi, bah il n'y a rien de garanti. La deuxième, c'est un ramen violet et rouge en 4 étoiles. Et le troisième level, mais j'aurais pas assez de pertes pour ça, c'est garanti d'avoir un des deux. Bon bah du coup, on va faire deux multi en soi. Hein. Vu que c'est une multi promo. D'habitude tu fais pas multi, mais là, autant. Autant en profiter. Est-ce qu'il nous y a autre chose? Non. Donc on va faire deux multi. C'est parti, les vidéos seront moins longues que d'habitude. Allez, en espérant avoir de la chance, c'est parti. Alors... Oh, ça met un peu de temps. Allez. Et ça, ce qui est, tu viens, ok. Amène-moi Sakura au moins, histoire que j'ai une or. D'assurer. Ne te fracasse pas, ça serait bien. Oh, j'ai une or quand même. Bon. C'est le strict minimum que tu cherches avant de midi. Oh, c'est la deuxième carte en plus. Ah, j'ai peur. Bah. Oh, mais non, putain. Oh, la douille. Un girobot de merde. Oh là 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 là, la catastrophe. Oh la catastrophe! Putain, c'est, ça pue la merde! Ça me donne pas envie de faire multi, de toute façon, en single, c'est pareil sur Naruto, j'ai pas tant de chance que ça. Alors bon, au moins avec la deuxième, on aura un ramène 4 étoiles en violet et en rouge. C'est déjà ça, hein. Mais j'espère avoir un peu plus de chance quand même, quoi. Purée! T'as une or seulement et en plus une 4 étoiles éveillée, quoi. La douille. Oh, allez! Aïe, aïe, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ne te fracasse pas, s'il te plaît. Bon. Ça veut peut-être dire or, mais on sait qu'avec Sasuke, il nous a déjà fait le coup des argent. Je sais pas, en multi, c'est pareil. Allez, allez. Oh là 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 là. Oh la grosse douille. Oh là là! Oh, le seul point positif, c'est que je récupère un Kabuto vert. 80 perles pour de la merde. Très bien, très bien. Tout va bien.
C'est une catastrophe. Oh là 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 là. Elle reste jusqu'au 8 mars. Bon bah. On va essayer, hein, de récupérer 40 perles pour jusqu'au 8 mars, histoire de pouvoir récupérer un des deux persos. Parce que là, c'est une catastrophe. Oh la vache! Putain. Attendez, je regarde combien de perles je peux récupérer avec les... Oh là là, mais... Oh la douille. Oh, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh bah tant pis, hein, j'ai les persos pleins. Bon bah, sur ce, bah... Encore une fois, Naruto m'a mis une énorme quenelle, hein. C'est grave quand même. Ouais, avec l'event qu'on a actuellement, si je calcule bien, ça fait 3, 6, 9, 18, 18. Bon, on récupère 33 perles, donc il faudrait que je récupère 7 ailleurs. Mais ouais, non, c'est ça fait mal. Ça fait très très mal. Hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu. J'espère que vous avez eu plus de chance que moi, parce que c'est vraiment une catastrophe. Qu'on se le dise. Et bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde. Ouais, re tout le monde, j'ai réussi à réunir 50 perles. Bon, je vais pas vous cacher, j'ai acheté un petit pack de 6 perles pour compléter. Parce que, ouais, il m'en manquait quelques-unes et je me suis dit, bon, autant la faire maintenant. Parce que grâce au retour, enfin, vu qu'il y avait l'event Suigetsu et le retour de l'event Sasuke, donc j'ai pu... farmer assez de perles. J'aurais pu ne pas dépenser peut-être les 3,99€, certes, mais bon, c'est pas très grave parce que j'avais pas envie d'attendre, on va dire. Hein. J'avais besoin de cette pulsion. Après toute la merde que j'ai accumulée sur les deux premières multi, je veux mon truc garanti. Donc là, ça y est, hein, on va y aller. Allez, en espérant qu'on ait du lourd, s'il te plaît. Ah, bah attendez, je reviens. Ouais, voilà, j'ai fini mes petits entraînements, donc du coup, là, je vais pouvoir faire la multi. Oui, c'est bon, voilà. Donc, du coup, on espère avoir... Déjà, on a au moins un des deux garantis, mais j'espère avoir quand même plus de cartes or, hein. Parce que bon, une carte or en du multi, c'est quand même très léger. Allez, on va faire le booty check de Susucre. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas fait les deux premières fois, c'est peut-être ça qui fait que j'avais pas de chance. Bon. Sasuke viendra, je pense, logiquement. Ouais, voilà. Bon, là, on est sûr qu'il y a une carte or, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pas très... On aura pas le... Il nous fera pas le troll de la deuxième multi, là. Allez... Ouh, 4 or ! Ah ! Ah, ça, c'est très bien. Allez ! Allez, 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 allez. Ça, ça me plaît, par contre, les 4 or. Ouh, ça rattrape un peu les deux premiers multi archi pourris. Allez, c'est parti. Une nouvelle carte, allez. Oh, c'est une nouvelle carte. Oh, et la Karine. Déjà, au pire, si je rechoppe Karine, ça veut dire que je peux baisser son coup d'équipe. C'est très, très bien. Moi, j'aime bien. Franchement, parce que déjà, portée longue, Wisdom, j'aurais toujours besoin. On va pas se le cacher. Oui, il faut bien que je le dise, hein. C'est ma phrase favorite. Field skill très bien. Oh, le buddy skill pousse l'attaque par 250. Wouah. Des skills. Santé par 100, santé par 100. Et réduit, c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Avoir des doublons de Karine, ça serait vachement utile. Et voyons. Donc, du coup, 3,5 fois l'attaque contre tous les ennemis. Et en plus... Elle ignore les perfect dodge. C'est ça qui est pas mal en fait. C'est que du coup, bah. En gros, vous pouvez faire ce jutsu, même si l'ennemi a perfect dodge, bah il se le prend dans la gueule. C'est très très bien. Et c'est quoi? 11,5 fois d'attaque contre un ennemi. Et c'est très très bon. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air d'être une très 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 bonne carte. Franchement, je suis content de l'avoir. Bon, allez, la suite. Oh, une nouvelle carte encore? Oh! C'est une 4 étoiles éveillée. Oh, la fausse joie. Oh, la fausse joie. Allez, une nouvelle carte. Oh, c'est une nouvelle carte. Oh, c'est une nouvelle carte. Oh, la Hino! Oh, c'est bon, ça, je l'avais pas. Oui! Ah, voilà! Ah, ça fait plaisir. Oh, la Hino, très très bien. Très très bien.
franchement, regardez-moi ce field skill. Réduit les dégâts rouges de 10 à 15% pour ceux qui sont qui sont liés du coup par le lien de terrain. Et pareil, il a 3 fois d'attaque et 30% de chance d'immobilisation, c'est un peu léger. Par contre, c'est 9 fois attaque contre un ennemi, et il me semble que ça monte, du coup, avec ses stats maxés, ça monte à 19 000 de dégâts, ce qui est vraiment pas mal du tout. Ah, mais très content, franchement, cette multi est géniale. Si on pouvait choper le Sasuke... Et voilà. Oui. Ah, oh, le jackpot, messieurs, dames. Le jackpot. Il manquait plus que l'autre carte or. C'était tout simplement une... Même un 5 étoiles, un vrai 5 étoiles doublon, j'aurais pas dit non. Là, c'est une super multi. Voilà. Là, je suis respecté, bordel de merde. Ah, ça fait plaisir. Bordel de merde. Ah, oui. Oui. Ce Sasuke, il a plus de 1600 en 6 étoiles maxé. Pour quelqu'un qui a une portée longue, c'est super. Très très bon. Et en plus, il va pouvoir me servir pour le raid Itachi. Apparemment. Parce que le raid Itachi, c'est un verre, apparemment. Donc voilà, Redus. Oh bah oui, j'aime. En plus ça tombe bien les rouges, je suis pas si bien achalandé que ça, donc très très bien. 3 fois d'attaque, au slip damage, je suis pas fan pour le coup. Et c'est quoi? 9 fois attaque. Oh, en plus c'est un AOE. Oh, ça veut dire qu'en plus il fait en gros tu fais 1006 x 9 sur tous les alliés, enfin sur tous les ennemis dans la portée de l'attaque. Et en plus t'as 50% de chance d'immobiliser pendant 2 tours. Il est excellent. Il est excellent, c'est très très bon ça. Et c'est quoi ces trucs là? Si peut-être, oui, on s'en branle. Oh, ça veut dire que la foire au moins 3 fois, c'est super intéressant. Enlève la barrière, ça veut dire que si vous tombez contre un ennemi qui se met une barrière, lui il s'en branle, il tape, hein, sans problème. Hein. Très très bien ça. Et c'est quoi ces autres trucs? Boost critique rate. Ouais, bah c'est bon ça, on s'en branle. Bah en gros, le principal c'est si vous invoquez comme des tarés, c'est de l'avoir 3 fois. On est d'accord, parce que pour avoir cette capacité, ça change pas mal de choses ça pour certains events. Bon bah en soi, cette multi est géniale. À part cet enculé d'Orochimaru Troll, franchement, très très bien. Je vais screen quand même. Parce que là, c'est génial. Bon, bah voilà, hein, les deux premières multi qui étaient désespérantes à souhait, ça c'est sûr, mais là, la nouvelle Karine, le nouveau Sasuke et la Ino que j'avais pas, donc franchement, c'est la première fois sur Naruto que j'ai une super multi comme ça, c'est clair, clair. Bon bah du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, pour une fois que je peux vous montrer de la chance sur Naruto, enfin voilà. N'hésitez pas. Ouais, c'est vrai que la première fois quand même, j'avais eu Rin en une multi et je m'étais barré. Ça c'est vrai, je suis d'accord. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir et ça nous aide pour faire avancer la chaîne. Sans problème. Si vous ragez sur ma multi, les pouces rouges, allez-y, hein, comme vous voulez, je comprendrai votre frustration. Je sais ce que c'est de voir les autres choper du lourd, hein, comme vous voulez, hein. Même si c'est vrai que le petit pouce bleu ferait plus plaisir, qu'on soit d'accord. Mais n'hésitez pas à dire en commentaire encore une fois ce que vous avez eu. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!